Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Resident Evil 7. On peut aller à l'armoire du capitaine! Donc on va aller à l'armoire du capitaine. Ça me dit toujours pas comment je suis censé descendre par contre. Ou pourquoi j'ai récupéré ce câble électrique. Wait. Ouais non, ça me dit toujours pas pourquoi j'ai récupéré ce câble électrique en fait. Oh, là où j'ai récupéré le câble électrique, je peux mettre la pile. Ça servira à quoi, je sais pas, mais je peux mettre la pile. J'arrive, ma mitraillette, j'arrive. Bonjour, monsieur. Oh, tiens. C'est quoi, ça? Je sais pas, mais c'était un truc. Clic, clac, Kodak. Moi, je veux ça, là, en dessous, aussi. Bombe télécommandée. Ouais. Oh, yeah. C'est un drôle de bruit, la mitrailleuse. Alors, ensuite... Ah. Allons voir si je peux utiliser... On va voir si je peux utiliser la pile. Quelque chose ici. Je pense que oui. Il y a moyen. On va pas retirer ce câble électrique pour rien. Et on me laisserait pas retirer la pile pour rien. C'est quoi ce bruit? Oh non, en fait, non. Y'a rien. C'est que dalle. Alors, je fais quoi avec cette pile ou avec ce câble électrique, là? J'ai vu aucun autre endroit où je peux les utiliser. J'ai vu d'autres endroits, je serais allé tout de suite, mais je me souviens d'aucun autre endroit. Bon, remarquez, maintenant, je peux me faire grossir une paire de couilles. J'ai une mitrailleuse, donc je peux un peu mieux explorer la zone. Enfin, les zones. L'étage d'en dessous, ça ne sert à rien de mieux l'explorer. Je crois que j'ai exploré absolument tout ce que je pouvais. Par contre, celui où il y a plein de merde dégueulasse, celui-là, je ne l'ai pas assez exploré, je pense. Bah, toujours dans l'ascenseur, quoi? Quoi dans l'ascenseur? Quoi? Oui, c'est pour alimenter l'ascenseur, mais... Où? Où c'est que j'utilise ces trucs? Ah! Bah c'est sûr que si je me tourne pas... Heureusement que vous êtes là, hein. On aurait perdu un putain d'épisode, sinon. C'est dingue que t'as accès au deuxième sous-sol avant d'avoir accès au rez-de-chaussée. Ou au sous-sol. Et toi, t'es où? Oh yeah! J'aime bien la musique.
Aïe, ça con. On va y aller lentement. Pour être sûr de ne pas se faire prendre par surprise. Alcool. Vite. Allez, c'est bon. Ah, saleté. Qu'on a derrière la porte numéro 1. C'est pourquoi la musique là? Pas pour rien. Mais il veut vraiment que je fasse tout péter. Je peux pas la viser, elle, tu sais. Regardez, hop. Hop. Ah bah non, je peux pas. Mia, qu'est-ce que tu fous? Ah, Evelyn. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh non, il est presque mort. Plaît-il, moi de même? Hey, chut, I know. I'm not gonna hurt you. What the hell? Pourquoi y a un trait entre vous? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Pikachu. Or even Zoe here. Ah, c'est qui Lou? That girl Evelyn. She did this. What the hell is she? Now what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Vous êtes pas des tueurs. Ouais, mais vous avez quand même accepté son don, hein, le connard. Non, parce que Mia et Zoé, elles l'ont combattu quand même, donc No. Not exactly, son. She just... Mais un trait. She forces her way into your mind. Your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to. Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. Ouais, c'est ce que j'avais deviné. She's the key. All right? You find her and you stop her. Ethan.
free my family. Please. Mais si tout ce qu'elle veut, c'est une famille, pourquoi vous lui en donnez pas une? Au lieu de vous laisser infecter en mode « Non, je veux pas être de ta famille !» Vous lui dites « Ok, moi je veux bien t'accepter, je veux bien être ton père. » Voilà. Voilà, tout simplement. Sérieux, de toute évidence, c'est encore un méchant qui est battu par le pouvoir de l'amour, donc... Et mets-la, puis voilà, c'est bon, c'est fini. GG easy. Nori. There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. No. Mia! Mais non, mais faut pas la tuer, faut juste accepter. Ce qu'elle veut, c'est une famille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui donner une famille à la gamine? Okay, oh, toi, t'es malin aussi, hein. Putain. Elle peut s'insinuer dans l'esprit des gens. Je vais être des petites connes. Je sais pas comment je pouvais m'entendre. Bon, du coup, j'ai... Rien. Tout est de ta faute. Alors, il faut vraiment que ce soit écrit, hein, parce que le fault, j'arrive pas à le lire. Putain, tu sais pas écrire, gamine. Vous auriez aussi pu lui donner des cours d'anglais, slash français, en plus de lui donner une famille, les gars. Dans les profondeurs. Ah, je suis tombé. Ok, c'est des poissons morts. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un hélico? Hélico, venez! Hé! Oh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon bah, par là, hein. J'ai récupéré des balles, c'est cool, pour... Non, vraiment, pourquoi j'ai récupéré des balles? J'ai pas d'armes. Qu'est-ce que c'est? Rien, Nico. Est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère? Qui, il, et qui, nous? Alpha 1, this is Bravo 1, do you read? This is Alpha 1, report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Ok. 9. J'en ai combien en tout? J'ai besoin de Mia avec un égypte. Oui, 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 oui. Yes. 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 Alors... du coup, je prends le couteau de survie, clairement. J'ai combien de pièces antiques, du coup? Ah merde, j'ai que 6 pièces antiques. C'est de la merde, ça, hein.
Prends ça. Tu prends ça. Prends mon fusil. Des munitions de pistolet. Petit pistolet de puissance moyenne trouvé dans les pages du navire ou le G17, c'est pistolet de puissance moyenne conçu principalement pour sa facilité d'utilisation. Le G17, hein, du coup. Ensuite, je pense pas que les corrosifs vont être utiles. J'ai pas d'herbe. Elle avait des herbes encore sur elle. Des trucs pour suivre? Non? Elle avait rien? Bon, j'ai des herbes dans tous les cas. Récupérer ça, mais je sais pas. J'ai rien pour me heal. J'ai vraiment que dalle. Ça va être de la merde si j'ai vraiment rien. Merde, j'ai vraiment rien. Bon, d'accord. Très bien. Bon, alors on va y aller avec ça. Attends, j'ai pas de munitions pour mon fusil non plus? Non, please, j'ai des munitions pour le fusil. S'il vous plaît. 44 Magnum, c'est pas ça. Cartouche de fusil, oui, j'en ai. Au moins ça. Voilà, en charge. Mais je suis rechargé. Et putain, mais il ramasse les munitions qui vont avec! Sale con! Non. Non. Ça, voilà. Voilà! Très bien. Voilà! Là, je suis bien! Là, je suis clean! Qu'est-ce que c'est? Les 44 Magnum. Beaucoup de recul, beaucoup de puissance. M'en fous, j'ai pas les 9 pièces requises. Cool, parfait. Ouais, j'ai juste pas sauvegardé, je viens de me rendre compte. Pas que je sauvegarde pas et que ça me fasse une connerie. On y va. Ok. On va peut-être dû prendre les bombes en fait. Voilà. Ça valait le coup d'avoir plein de balles, j'ai presque plus de balles. Mais il crevait à la fin, merde. Ok, il est mort. Ah merde, salut toi. Vous avez bientôt plus de balles. Un peu... Il a très peu de polygones, hein, notre ombre. Pourquoi je vois bientôt plus rien, là? Pourquoi il fait noir d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant il fait bleu? Pourquoi maintenant il fait Outlast?
Et pour ceux qui se rappellent la fin d'Outlast. Ah bah heureusement que j'ai pris cette arme, putain. Ta gueule. Ok, on est bon. Ouh. Oui. Boop. Ah, je savais qu'il y aurait quelque chose. C'est quoi ça? Mission 44 Magnum. Non mais très bien, mais j'ai toujours pas le Magnum, le jeu. Donne-moi plutôt des munitions pour des armes que j'ai. C'était ce bruit. Ah bonjour. Je disais bien que j'avais entendu quelque chose d'autre à droite. Ta gueule. Ta gueule, j'ai dit. Toi aussi. Ta gueule! Tu m'énerves! Voilà, putain! Comment vont mes fonctions vitales? Ça va. Oh fuck you! Mais merde, mais crevé à la fin! Oh putain, j'ai bientôt plus de vie, j'ai bientôt plus de vie. Mais tu crèves! Ah, ils s'étaient inversés la position, les deux. Bon, plus très utile d'utiliser cette arme, on a quasiment plus de munitions. On passe au fusil. Ah oui, je peux me fabriquer d'autres. On va s'en fabriquer des puissants. Voilà. Vital. Ouais. J'ai le droit de prendre un coup. D'accord, si. Bon, j'ai bien fait de pas l'acheter cette arme. Oh, va te faire foutre, comme si je m'attendais à ce qu'il y ait encore ça. Si je m'attendais à ce qu'il y ait encore des caisses piégées, quoi. Ça aurait été trop difficile d'afficher ça directement sur l'écran dans le jeu, en fait, les gars. À part d'infection, qu'est-ce que je m'en branle? J'ai rien pour, mais il... On va l'utiliser. Je
Une minute après, administration, vomissement. Administration de la nécrotoxine E sur un cobaye de série E. 10 minutes après administration, décès. Ok. 12 minutes après spécification. Ok. Le cadavre brûle. C'est ça, hein, une classification. D'accord. Si c'est ça. Target acquired. Un bébé dégueu. Ouais, il faut que je mette quoi des... Faut... Pourquoi je viens de faire le virus là? Salut Iron Greyjoy. Photos sont plus nettes que le texte, hein, putain. Ouais, il y a des trucs à lire. D'accord. Et bien c'est qu'en fait, tu peux appuyer sur D ou F, en fait, le jeu il s'en fout. C'est-à-dire que c'est la même chose. Merci. Merci. Regardons. Ensuite. Bon. Alors, les munitions de Magnum, on va les débarrasser, hein, ça va rien. Je ne suis pas obligé de les avoir. Munitions améliorées, on garde. Les grenades incendiaires, on les pose. Ouais, neurotoxique, on pose, on s'en fout. Vu que le jeu insiste sur le fait qu'on garde les bombes avec nous, bah on va prendre toutes les bombes qu'on a. Et ce qu'on fait, c'est... Hop. 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 Comme ça, en fait, du coup. Alors, ça, c'est sur le 1. Le 2, on va mettre le pistolet G17. Là. Le 3, le fusil. Et le 4, les bombes. Comme ça, c'est bien. Ensuite, on prend deux fluides chimiques forts. Là. Ça devrait nous permettre de nous faire des trucs bien. Et c'est tout. Hop. Voilà! On est bien! On est bien! J'ai sauvegardé, je sais plus. Et toi? T'as pas utilisé l'effort là au moins, rassure-moi. Là, il a utilisé énorme. Garde le fusil, on sait jamais. Donc est-ce que j'ai fait le virus pour l'administrer à Evelyn, c'est ça? Mais c'est pas elle un petit peu la source du virus? Donc, qu'est-ce que ça va faire de lui administrer le virus? Ça va pas faire grand-chose. Ah, elle chante la musique d'intro, lol, c'est drôle. C'est tellement méta. C'est tellement pas fait dans 20 milliards de fucking jeux. Musique d'intro que, d'ailleurs, si vous faites le jeu en une seule traite, que vous ne relancez pas le jeu après l'avoir lancé la première fois, vous n'entendez pas. Étant donné que le jeu ne pensait pas que ce soit une bonne idée d'avoir l'intro au lancement du jeu. J'aime mieux d'avoir l'intro au relancement du jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois courir? Il va juste y avoir masse d'ennemis dans ma gueule.
D'accord, juste masse d'ennemis dans ma gueule. Pardon les gars. Oh, je prends ça. Pardon. Plus de 3 munitions, c'est pas beaucoup, hein. En fait, je vous ignorais, les gars. Non, non, je vous ignore. Vous me dites si ça vous dérange que je vous ignore comme une grosse merde. Hop. L'est-il ? Pardon, 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 pardon. Si tu meurs. Voilà. Easy. Easy. C'est à moi. Clic, clic. Mais du coup, on va s'arrêter là. Donc merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.